Bah c'est YouTube. Moi je prends mon temps là. Là on prend le temps tranquillement d'explorer l'intérieur d'une baleine. Faut pas oublier cette information, on est dans l'intérieur d'une baleine. Dans Band of Bread. Le petit jeu. Oh là là, ça suffit là. Qu'est-ce qui m'a pris? Oui, bon, ça va. J'aime pas ce que j'ai eu à la place. Nous sommes de retour dans Band of Bread et nous sommes dans une baleine, ça rend ouf. OMG. Quoi? Mais qu'est-ce que... Pardon, mais qu'est-ce que fout Uno là, dans une baleine? Pardon? Je peux avoir une explication? Où est-il? Je sais pas si tu parles, la chouette. Menteuse, tu es une des acolytes de Fripon. Dis-moi où il est. C'est chez une menteuse, pourquoi te fatiguer à poser la question? Voyou, vagabonde! Je vais t'attraper face à ton existence diabolique de la face de la Terre! Ah! Hé, hey, ça se fait pas d'attaquer ton adversaire avant qu'il soit prêt. T'as pas d'honneur, espèce de saleté? Fou! Vous prenez le parti des criminels? Bande de traîtres! Pardon... Tu oses m'interrompre pour le scribe? C'est juste qu'il est la quête qui dit seulement après on défrit pas pour l'interroger. Tais-toi, avorton! Tu me prends pour une imbécile. Je sais de quoi il s'agit. Vous voulez me détrôner et prendre ma place de numéro uno! Mais ça n'arrivera pas, vous ne pouvez pas me battre! Vous êtes une génération de paresseux, vous êtes trop mou pour être des héros! Je préfère être trop mou plutôt qu'être un héros hypocrite. Moi j'aurais plutôt dit c'est ton daron qui est trop mou, mais bon. Ouais, l'héroïne numéro uno, c'est plutôt l'héroïne zéro. Comment osez-vous, criminel, menteur? Je vais tous vous tuer! D'accord, maintenant. Maintenant, le combat contre Uno, c'est maintenant. C'est là. Ok, Uno, j'utilise une attaque de Uno. Je vais me rendre... en train de faire bugger le jeu. Je vais me rendre invincible. La tête de Tipin est incroyable. Voilà, je suis invincible. Littéralement invincible. Tiens, toi, tu vas manger un plat qui se mange, quoi. Non, c'est nul, en fait. Percé. Oh, je déteste cette... Il n'y a pas... d'élection héroïque. Quoi? Il a augmenté sa défense. C'est dégueulasse. Personne n'a le droit de faire ça, ici. Normalement, ça baisse la défense, ça. La dernière fois que j'utilise cette attaque, ça one-shot quelqu'un, mais là, ça va. C'est terrifiant, Uno. Terrifiant, hein, vraiment. Bah, on va attaquer, hein. Vraiment terrifiante. Je sais pas qui... Qu'est-ce que... Concentre-toi, défends-toi, défends-toi, pourquoi? Pourquoi je vais me défendre? Il y a un petit peu trop d'affliction d'état, là, sur Uno. On n'avait jamais vu ça avant. Uno. Tiens, marteau des braises. Ça t'apprendra. Bam! Ah oui, non mais... Ah mais c'est vraiment ça, alors. Quelqu'un disait, entre les deux VOD, tout à l'heure... Et c'est Argano, et effectivement, l'attaque de type braise, en fait, ça imite le type dont quelqu'un est faible. C'est très fort. Bah, défends-toi, Chloé. Bah, voilà. Pas beaucoup défendu, je trouve. T'as pu faire un effort. Du coup, ça veut dire que je sachais de charbon, ça va faire mal. Ah ouais. T'as des attaques de type charbon? Non. Élémentaire, ça dit. Oh, mais attends, y a pas une attaque spéciale? Non. Juste élémentaire. Je comprends pas. Ah ouais, 10 quand même. 10, ça fait mal. Même Chloé et Choc-Bar de baiser, regardez. Chloé et Choc-Bar. Utilise un délicieux article, c'est ce que je vais faire bientôt. Promis. Je suis énervé. 17. Ah ouais. Heureusement que j'ai pas le badge double attaque, hein. C'est drôle qu'on puisse utiliser des PR à la place des PC. On va utiliser un délicieux article.
pour regagner des PC. J'ai pas un truc pété, éclaté là, pour des PC. Oh, Free Walker, c'est bien ça. Plein de méchants neufs. Ah. What the fuck? Et comment ça, en plainte des méchants neufs? Quoi, tu viens de nous avouer que t'étais méchante? Et pourquoi Chloé, elle fait une tête genre comme si elle venait de résoudre une énigme? Quoi, elle a compris quelque chose? Tu vas avoir une nouvelle attaque? Quand tu veux, hein. Très bizarre l'animation de l'attaque de... du boss. Putain, pour une fois, on a un boss qui a plusieurs attaques, quoi, c'est énorme. J'ai jamais vu. Moi, quand blablabla. Allez hop. Ah non, il a fait bénédiction héroïque. Tu veux faire quoi? Je veux pas le tuer tout de suite. Je veux lui laisser une chance. Ah. Je rate exprès pour lui laisser une chance. Ah bon, bah je vais peut-être pas lui laisser une chance en fait. Voilà, finalement je vais changer d'avis. Oh la honte, hein. Uno qui donne autant d'XP qu'un vieux crabe dans une plage. Ah, oh non, on l'a tué. Ah, ha, bon voyage madame. Envoyez une carte postale et puis les fesses de la baleine. Il sera à sa place, ça pue. Mais sérieusement, c'était qui ça? C'était Uno, la première des héroïnes. Elle a accepté un contrat de la guilde des scribes consistant à attraper Fripon. Ouah, donc, elle le chasse vraiment? Elle nous a traqué jusqu'ici? Mais attendez, elle est de votre côté, pourquoi vous m'aidez? On veut arrêter Fripon, pas vous faire du mal. Oh, j'aurais pas cru. Si Dio et Klein sont revenus pas mal à mocher. Mais c'est eux qui ont commencé. Et pourquoi vous essayez de nous arrêter de toute façon? En quoi ça vous concerne? Le plan de Fripon a ramené l'Empire avec la pierre solaire. Il va tout détruire. Le monde va être complètement retourné. Vous savez rien! Personne sait ce qui va se passer! Fripon vous a pas parlé du plan? Vous êtes ses amis pourtant! Bien sûr que si, enfin, un peu, en quelque sorte. Fripon veut juste qu'on puisse rentrer chez nous. En tout cas, c'est ce que je croyais. Je sais que c'est important pour lui, mais dernièrement, il agit de manière très bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire par bizarre? Il mormonne, il s'énerve, il est obsessif. Il laisse tomber ses amis. Même Klein, Sideyo ont été blessés. Il pense qu'à la pierre solaire! C'est dur de vouloir aider quelqu'un qui écoute pas. Ouais, c'est dur de pas être pris au sérieux. C'est dur d'être loin de sa famille. Tout le monde entier pourrait disparaître, par exemple. Je veux pas détruire votre monde pour ramener le nôtre. On s'offre rien du tout en faisant ça. Il est pas trop tard. On peut arrêter tout ça, on peut encore lui faire changer d'avis. On doit essayer de trouver Fripon. Alfie, si tu lui parles, tu comprendras peut-être qu'il compte aux yeux de certaines personnes ici. J'arrive pas à croire que je m'apprête à faire ça. Let's go, Viviane! Alfie, pardon. Putain, j'adore en mari. Ok. Essayons, si on bosse ensemble. Tu dois savoir que ma guitare fait aussi office de grappin. Mais non, c'est un grappin! C'est pas vrai. On va avoir un grappin? Mais non! J'allais pas vraiment cracher de l'eau, désolé. On a un grappin. Maintiens RT appuyé, vise avec! Oui, bah c'est bon. Et maintenant, en route! Attendez, j'ai un appel. J'ai un appel important. Hop là! Alors. Excusez-moi. J'ai coupé court. J'ai dit, je suis actuellement en plein business de fou. De retour, excusez-moi. Dans ce cas, on a une guitare. On doit viser, quoi. C'est énorme. Est-ce qu'on peut viser un ennemi? Du coup, là, Alfie, elle est nulle. Elle a que un point de vie. Elle a que un point d'attaque. Ah, mais attends, non. Oh, le dessin de Alfie, j'avais pas vu. Alors, en avant. La plupart des guitares des bardes ne sont pas très utiles au combat. Celle d'Elfie est différente et elle n'a rien d'une barde. Elle lance sa guitare encre sur des ennemis. Yo!
Non, Yo-ho-ha, pardon. Ok, en avant, ou alors KO. 3 dégâts de feu et chance de endormir. Bon, c'est pour qu'elle ait une attaque gratos. Ensuite, là, on a quoi? Au bord du gouffre. La fille hurle des insultes. Ok, c'est une stratégie comme une autre. Ok, ou ça ne suffirait pas, elle l'embranche aussi qu'un harpon. Ok. Ce qu'on va faire, bam. Et bam. Voilà, comme ça, elle gagne 5 PV, ce qui ne sert vraiment à rien. Mais bon, c'est pas grave. Ah, ça a l'air fort, ça aussi. Bon, on reste avec ça. Pour l'instant, on n'a pas d'autre PDC. Ça me défonce de devoir faire ça comme ça. Ah, salut, t'es très chaud, flip, la flop, libre. Vous êtes boutu. J'ai pas compris, mec. C'est-à-dire quoi, boutu? Est-ce que ça marchait? Non, pas du tout. Ok, putain, mais c'est énorme d'avoir Alfie dans l'équipe. J'en peux plus d'avoir la musique de Michael Jackson là à chaque fois, hein. Ça suffit. Hop là. Oh bon, bah qu'est-ce que tu veux? En avant. Bah tiens, allez, relâche, lorsque la chose est en vert, ok. D'accord, c'est pas... pas de quoi casser trois pattes à un canard, comme on dit. Mais bon. Elle a quand même pas l'air à chier. Hop là. Salut, la catégorie du stream n'est pas changée. Ah ouais, c'est vrai. Tant pis, j'ai envie de dire, c'est pas la mort, je discute aussi. On discute. C'est pas comme si la catégorie Ball of Bread allait changer grand chose au stream. C'est pas comme si ça allait rapporter des viewers ou quoi. Les fameux viewers de Ball of Bread. En fait, là, depuis tout à l'heure, je vais tout droit, genre je suis le fil conducteur sans même faire des trucs secondaires, non? C'est le bordel, putain. Non. Est-ce que je peux l'attaquer? Ah, lui il peut. Lui il peut m'avoir. Hop là. Ok. C'est quoi que t'aimes pas toi? Ah bah non, mais je saurais pas parce que tu vas mourir. Bim, bim. J'en peux plus d'avoir la musique de Michael Jackson, putain. Voilà, incendiaire. Au bord du gouffre, sinon c'est pas mal. Ok. Quoi? Ça m'a affaibli? Ça m'a affaibli moi? Dégueulasse. Après, peu importe. Ou alors c'est le monstre qui a fait ça. C'est le monstre qui m'a affaibli, peut-être. Et dans le cadre où il était seul dans un combat avec une seule personne, c'est pas ouf. Ma vie, mon courage. Ma vie, hein. J'avais jamais remarqué que c'était une guitare son encre à elle. Déjà, j'avais pas remarqué que c'était une encre. Pour moi, c'était un grappin. Voilà, je le dis. Pour moi, c'était juste un grappin, mais après, une encre, un grappin, même combat, quoi. Bon, bah, maintenant que j'ai commencé à tamponner ça, on va aller jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout de chance, hein. Ok, comment est-ce qu'on grappine? Il fallait pas faire ça? Il fallait faire ça? Ah. Bonjour. Bon, je peux pas passer, c'est un peu dégueulasse. C'est pas top, ça. Alors, Alfie ne nous en veut pas, mais on fait généralement ça dans l'équipe. Ça arrive assez régulièrement que l'un d'entre vous doive se dégager. C'est normal. Allez, vas-y. Ah ah. Palette de Lint. Pour que Lint soit rouge, plutôt crevé, non? Plutôt crevé, mais on va regarder. Putain, la différence de fou! Bah oui, il faut peut-être avoir Lint. Effectivement. Oh, ça va. Bon, allez, vas-y, tu gardes. Voilà ce qu'on veut. Voilà, chevetron. Ouais, on passe par là, ouais. Pourquoi, si ça se trouve, c'est bien d'aller de l'autre côté, non? Attends. OMG. J'en peux plus de cette musique, je la déteste. Ça y est. Ça y est, j'ai trouvé un truc que je déteste. Tain.
Je m'en fous, putain. Pourquoi Michael Jackson est dans mon jeu vidéo? Pour la peine, toi, tu vas mourir. À la foutre! Putain, hey, ça valait le coup d'aller dans cette putain de cascade cachée, quand même. Cette arme est incroyablement puissante. Elle est extraordinaire, cette arme. J'avais remarqué que c'était une encre, mais pas une guitare. Ah, faut admettre qu'on l'a jamais vu jouer de la guitare, cela dit. En même temps, je vois pas pourquoi elle jouerait de la guitare de manière générale. Mais bon, visiblement, c'est une activité qu'elle pratique. Juste étonnant, quoi. Du coup, c'est bon, je peux passer? Non, je peux pas. En fait, si je fais ça... Eh oui! Merde. Michael Jackson. Ah, j'ai plus le temps, moi. Vous me mettrez autre chose que un seul ennemi et je perdrai peut-être du temps. Mais en attendant, j'en perds pas. Là, c'est bon, hein. Chaque fois, vous mettez qu'un seul ennemi, il serait peut-être temps de faire des groupes d'ennemis, non? C'est fini, les petits trous, là. J'ai bien dit des petites roues, hein. Attention. Ah! Casse-toi. Pardon? Ça, c'est raciste. Ah, mais en fait, oui, c'est ça, de temps en temps, son attaque, c'est juste de nous rendre faibles. La tronche de Lint, il est choc-barre à vie. Tiens, une lame gelée, je sais pas pourquoi j'ai envie. Tu vas t'en remettre, Lint, tu penses? Ou pas? Ok, c'est bon, ils ont armé. Finalement, ça va. Bam! D'accord, bah bravo à toi de m'avoir affaibli deux tours d'affilée, comme ça t'attaques pas. Et du coup, ton affaiblissement sert à rien. Belle strat. Belle strat, n'hésite pas à le faire une troisième fois au cas où, la prochaine fois. On lui avait laissé une occasion de briller. Il l'a pas saisi. C'est sa faute. Hop là, de l'argent. D'accord, on est où là? Mais on est où, bordel de merde? Je comprends rien, cette map. Je comprends. Oh! Sid, Fripon, attendez, faut que je vous parle. Alfie, qu'est-ce qui se passe? Ennemis portion, t'avais pris en otage! Tu devais les piéger, Alfie, pas tomber dans leur piège! Non, non, ils m'ont aidé, la folle des égouts m'a poursuivi et... Donc tu me crois maintenant, hein? Désolé, je pensais que t'essayais juste de nous faire peur. Ouais, je te crois depuis le début, ouais, chef. Bien sûr! Bon, c'est quoi le plan pour anéantir ces parasites? Attends, Fripon, je sais que cette mission me tient à cœur, mais... C'est mal! Hein, mais qu'est-ce que tu dis? Ton père nous a jamais parlé des morts vivants. Et il y a un tout nouveau royaume ici, maintenant. Tu es de face de et ses amis? C'est pas ça, Fripon, ils veulent nous aider! Écoute ce qu'ils ont à dire. On pourrait considérer que ça comme un interrogatoire, non? Non! La plus vieille amie, Alfie, comment tu peux me faire ça? Ouais, comment tu peux prendre leur parti après ce qu'ils ont fait à Klein et Yo? Excusez ma maladie. Espèce de traîtresse! Ah oui. Ah, pourquoi on prend toujours le chemin le plus long? Et au moins ça fait travailler le cardio. Après il aurait pu ne pas nous laisser de chemin, au moins il nous en a laissé un long quoi. C'est sympa. Après moi c'est par là que je passais à la base. Je trouve que... Ok. Troisième essai. En tout cas trop bien d'avoir fait ça pour rien. Ah oh putain. Ah on va s'amuser. Oh putain de sa mère. Ah, je suis coincé, les gars, c'est la fin du let's play. Oh putain de purée de pommes de terre. Oh, mais j'ai pas besoin de courir en fait. C'est pour ça? Bah, il était pas si long que ça le chemin, hein, si je peux me permettre. Voilà, on était vraiment littéralement là-bas. Il a gagné 2 minutes. Mais là, j'ai skippé la moitié de la map là. Je suis pas d'accord. Hein. J'ai legit envie de retourner en arrière, premier degré. Hein. J'ai skippé trop de trucs de la map. Pour la première fois de ma vie, j'ai envie d'aller en arrière alors qu'on me l'a pas demandé. Hein. Hop là, j'ai envie de jouer au ballon aussi, mais ça c'est autre chose. Bah j'y vais. Et on est à la foutre. Ah mais ça a été réparé. Bonne nouvelle. Mais je peux...
Ah mais je peux juste pas revenir en fait. Ça on n'avait pas considéré cette option. On n'avait pas considéré que je ne pouvais pas revenir en arrière. Est-ce que je peux faire ça non? Non je peux pas. Il y a R là, je peux pas en fait. Ma seule option c'est de continuer en fait. Bon bah si j'ai raté des trucs, hein, tant pis pour ma gueule. Cet endroit, on est sur ma maison. J'utilise cette tuyau pour me déplacer. Ok mec. Ma réponse à tout ce qu'on me dit en ce moment. Il est où l'ennemi? Allô? Ah. Réponse obtenue. Il y a encore Michael Jackson, ça m'en fout. Quoi? Arrête! Mais allô? Ah oui, je suis à un viewer là. Ok, il y a... Quand je vois le chat, ça ment. Ah, je suis à 42 viewers. Je suis à 42 viewers et un sub. C'est presque proche de la réalité. Allez hop. Ah non, non, j'étais vraiment un viewer. Je comprends rien. Je crois pas trop leur système de satisfaction et de viewers dans le jeu. Il est un peu bordélique. Texte sacré. Ces textes sacrés ont été rédigés par le premier moine lui-même. Ils peuvent rétablir la paix, mais aussi se transformer en arme terrible. Bah, top d'avoir trouvé ça comme ça. J'ai envie de détruire un autre, si jamais. Mais bon, visiblement, celui-là était plus sacré que les autres. Mais du coup, attends, si j'avais jamais trouvé ce truc-là, genre... Pas se poser de questions. Ok, comment je vais de l'autre côté? Bah, juste comme ça, en fait. Aussi simple. What the hell? On peut y aller! J'ai tellement raté les trucs ailleurs. Non! Paralysé à chaque fois. Tu veux pas taper dessus sur la grande planche ou je sais pas quoi? Taper la grande planche? Mais de quoi vous parlez? On parlait d'un truc qui s'est passé il y a un an et demi déjà. Je suis insupportable. Désolé, je suis insupportable. Ah si, puis il y a une grande planche. Mais de quoi vous parlez? Vous parlez de là-bas? Il y a une grande planche là-bas? Ah oui. Ah, j'ai trouvé un truc secret. Bien joué. Bien joué, c'est bon, je peux backtrack. Je peux découvrir tous les trucs que j'ai pas fait. C'est quand même pas mal. Hein. Oh non, me dis pas que j'ai fait tout ça pour rien. C'est une blague. Je pensais qu'il y avait vraiment un truc derrière. Mais attends, mais c'est quoi cette vie? J'ai forcément raté un truc quelque part. Il y a des petits... Non, vraiment, je veux pas. J'adore tricher. C'était comme ça ici avant? Oui. Il manque des trucs partout, ça m'en fout. Il manque trop de trucs partout, j'ai pas fait la moitié de la map, honnêtement. Je peux pas partir dans ces conditions. Tiens, on va où là? On va où? Il faut que j'aille là-bas. Je ne suis pas amusé. Mais au moins j'avais du flair, j'avais compris qu'il manquait des trucs. Allô? La perception de la 3 dimensions, s'il vous plaît. J'aimerais l'obtenir. J'aimerais savoir où je mets les pieds. C'est bon là? Ceci est un sketch réalisé par un professionnel de l'humour, mesdames et messieurs. Et non pas juste un mec nul au jeu vidéo. Si. J'aimerais vous dire que c'est juste une blague. Que je suis extrêmement drôle, mais vraiment là, non. Ok. Ok, par contre... Est-ce qu'au lieu de la musique de Michael Jackson, on pourrait avoir un deuxième ennemi en plus? Vraiment. Pff. 22 points d'expérience pour ce mec.
Il est seul et je le one shot. Allez, réseau, tiens. Je suis sur les réseaux. C'est pas totalement vrai. Je suis sur Instagram, si vous voulez. En 2, 3, antique, underscore OPV, bien sûr. Le underscore OPV est important. Qu'est-ce dingue? Ah. La diffusion de combat ou 3 des PV à type 1 et non des PC. Bon, non, merci. C'est bien, mec. Un peu déçu. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? On l'a vu, hein. Ah, top. Chou. Oh, attends. Ah! J'ai pas vu ça. Top ça. Elle va pouvoir nous donner des informations sur les ennemis, OMG. Oui, oui, blablabla, j'ai le journal. Merci pour le journal. Visiblement, je pouvais y accéder par là aussi. Visiblement, c'était vraiment pas si dur que ça d'y aller. Ok. Nagui est mort. Nagui est mort. Vive Nagui. Mais en fait, depuis le début, la vraie façon d'y aller, c'était ça. Ok. Bon, on s'en fait de la thune. La gueule! Ça suffit. J'en peux plus d'entendre rien d'autre que la musique de Michael Jackson. Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Ce bruit. Donc là, par contre, j'ai plus rien. J'ai plus rien à obtenir. C'est officiel. Ah. J'ai tellement envie de retourner là. Alors, notre première utilisation du grappin, c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. Alors qu'on n'y croyait plus. Bon, allez. S'il te plaît. Hein. S'il te plaît, mec. Radin. Ok. Hop. J'y vais. On retourne en arrière. Moi, je backtrack à fond. Hein. Je vais me perdre. C'est sûr à 100% que je vais me perdre. Merde, il est là, lui. Il y a forcément un truc à faire avec un grappin quelque part. Comme par exemple ça. Le combat fait un peu Earthbound. Peut-être, ouais. J'avoue, j'ai jamais joué à Earthbound. J'ai jamais particulièrement été intéressé par le lore de Earthbound. C'est trop bien ce chemin là. Monsieur. Ah ah. Alors? Ok. Pas top. Pas ouf comme récompense. Mais bon, on l'a découvert et ça fait plaisir. Prends la jambe arc électrique rose qui m'angoisse moins que tout le reste. Il semble indiquer la sortie, par pitié. Faites que ce soit bien la sortie. Ah, c'est ça juste? Ah, c'est un indice vers où aller? Je suis abattu. Et là, y'a quoi? Peut-être pas faire ça.
Ok, je pense que si. Non, me dis pas que j'ai raté. Me dis pas que j'ai raté le vieux. Qui aurait imaginé la transformation en situation? Il semblerait que nous trouvions dans le système digestif d'une immense baleine. Je ne me reconnais aucun de ces spécimens. Quelle expérience passionnante. Sous pauvre péril, la prof Rose. Ah, il semblerait que nous les ayons perdu de vue. Il doit être quelque part par ici, quelque part derrière toutes ces merveilleuses opportunités de recherche. Et cette porte aux propriétés bioluminescentes. Alors mec, j'ai un indice pour toi, il y en a même carrément un à côté. Hein. Oui, 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 j'ai récupéré. Je les ai. Vous faites quoi dans ma maison? Voilà, celui-là n'a pas l'air content. Ah bah non, j'ai pas l'habitude d'avoir des billets derrière. On dirait qu'il s'excuse, t'inquiète petit gars. Mais bon, pas de haut. Je peux dormir gratuitement ici? Ah oui. Ils ne vivent pas dans une société capitaliste, donc on peut dormir gratuitement chez eux. Si vous lisez ceci, moi, Turbo Turner, ai été englouti par un terrible monstre marin alors que je fuis, je rentrais chez moi. Je suis perdu dans cet endroit dégoûtant. Tout est bizarre et j'en ai marre. Les habitants sont louches et timbrés. Je vais documenter mes voyages au cas où quelqu'un d'autre se ferait engloutir. Ok, Turner. Bon. Y'a un mec qui vend des trucs ici. Moudada Douma. Mais c'est celui que t'as sauvé, il vend des trucs, il vend des couilles. Il vend des grosses couilles. C'est énorme. Le mec vend des burnas. Par contre j'entends. J'entends. Putain, y'a un lézard en haut là, je veux retourner en haut, pitié. Oh, attends, y'a peut-être moyen. Non, y'a pas moyen. Putain, il faut vraiment que je retourne en... Il faut vraiment que... Attends. Oh non, je connais cette histoire. Je connais le bug où on parle à Dub en n'étant pas dans le bon endroit. Je veux pas revivre ça. Donc là, maintenant, je refais tout à l'envers, c'est ça? Enfin, je refais tout à l'endroit, plutôt. Tu pouvais pas rajouter un crochet? Pardon. Pardon, mec. Pardon. Et c'est parti pour Michael Jackson. Hein. Moi, je n'ai qu'une parole. Hein. Tant que vous êtes seul, je vous éclate. Franchement, c'est vraiment... Ça, c'est le genre de truc qui est dommage, quoi. Ils ont fait trois monstres. Enfin, ils ont trois monstres pour cette zone. Et ils sont dit, tiens, on les met toujours tout seul. C'est vraiment dommage, quand même. C'est très bête. C'est très bête, quoi, ce genre de détails. Ça baisse vraiment tout, quoi. Un truc à gauche, là-bas, on peut pas y faire quelque chose? Je me demande. Ça va, Yagi? Yagi mourant à l'infini. Bizarre, cette histoire. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas à quoi ça sert de taper dessus. Ça me trigger. J'ai aucune idée de ce que ça fait. J'ai aucune idée de ce à quoi ça sert. Ah. Ok, cette fois-ci. Voilà. Je me ferai pas avoir. C'était pour avoir ça et surtout... Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Allez, hein, on peut y aller. Un peu appétitif, quand même, cette histoire. Bon, allez. Allez, fais-moi rêver. Fais-moi rêver, Yagi. Ça servait à quoi, là, ce que j'ai fait, ici? Mais attendez, ça va pas débloquer un truc, là? Ça a pas débloqué un endroit ici? Ah bah si. J'ai débloqué un truc. Qu'est-ce que... D'après les mains, le sait, docteur Waoui voulait un frère et en aurait créé un lui-même. Quoi? C'est une nouvelle arme? Docteur Waoui Zaoui
drone à distance. Mais attends, mais les textes sacrés, c'était une arme depuis le début ? Oh, plus rien. Ça a l'air dingue. Ça a l'air assez dingue quand même. Qu'est-ce que j'ai viré ? Cimerang ? Bon, en vrai, Nick. Nick le Cimerang. Ça a l'air assez énorme hein, ce que j'ai trouvé. J'ai pas compris que le texte sacré c'était une arme. Je me sens un peu bête. D'accord, je sais pas, je me suis senti un peu chaud là. Flemme, on va faire marteau des braises. Ça va aller plus vite. Mais c'est une arme qui est tellement cheatée en vrai. Quand même, il faut dire que c'est vraiment un peu abusé cette arme. C'est presque illégal de détenir un truc pareil. Allez hein. Pas 15 fois, pitié, pas 15 fois. C'est bon, maintenant j'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait. J'ai l'impression de rien avoir loupé ou presque. Il va juste faire vite faire attention ici, mais je pense qu'on est bon. Ça nous montre que la sortie est par là, c'est bien. C'est un truc à grappiner ça? Je me pose juste la question. Non, ok, c'était pour savoir. J'avais l'impression qu'il fallait grappiner. Il ne faut pas grappiner. Et donc, on passe par là. Ah ouais, Michael Jackson? Alors? Ça prendra bien. Il y a vraiment des gens qui vont arriver nulle part et vont dire pourquoi il dit Michael Jackson, il est fou. Ça a changé quoi? Ah mais... Mais ça... Oui, ça nous a permis d'aller là, en fait. Depuis le début. Mais c'est pour un secret, en fait. Alors, avant, c'était où? Ah, mais ça l'a juste activé pour de bon, ok. Il y a quoi à gauche, déjà? Ah oui, il y avait le petit lézard. Ok, c'est bon. C'est bon, on peut continuer, gars. Non. J'en ai rien à foutre. Juste avant. Comme ça, je récupère des PC. Important. Le niveau supérieur qui arrive beaucoup trop vite, hein, vraiment. Face à des combats un peu possibles. J'ai juste testé un truc. Ok. C'est pour ça, peut-être que ça, je me disais, ça va peut-être m'emmener quelque part, cette histoire. Mais non. Bon, là-bas, il n'y a rien. Je pense qu'on va pouvoir revenir là où on en était. Me voilà soulagé. Ce mec, tu vas bien? Pour avoir la suite des événements. J'ai l'impression qu'on peut aller là-bas, derrière, mais ça sert à rien.
Et ça m'énerve de voir que derrière il y a une porte. Et je pense que c'est pour plus tard. Y'a rien en bas, ok. C'est bon! Putain, ça nous aura pas pris tant de temps que ça, ça. Ah, mais je suis là? Ok, alors bon, ça m'aura pris du temps encore. Ok, let's go. Ok. Non. J'suis passé par là tout à l'heure, non? Visiblement, oui. Oui, oui, ça y est, ça me revient. Pas besoin de grappin. J'ai presque envie d'aller battre le mec tout au fond là-bas parce qu'il a beaucoup d'XP. Mais en même temps, je suis franchement un peu overpowered, donc je sais pas si j'ai vraiment besoin de ça. Je pense qu'on va y être tranquillou. J'ai fait plus de combats qu'il ne le fallait là, je pense. J'ai beaucoup trop combattu Michael Jackson. Ça me mène où, ça hein? Ah oui, c'est en haut. C'est là que je m'étais arrêté dans la tension. C'est là que j'ai ragé et que j'ai backtrack. Vas-y, lui, je bats normalement. Pour récupérer un PC. C'est un peu long. C'est là qu'avec les attaques normales on s'emmerde. Alors qu'avec le marteau. Je prends cher. Faut pas être pressé hein. Surtout si je rate. C'est une technique pour gagner les PC bien sûr. Je suis niveau supérieur, on s'en battait les couilles. J'allais tout regagner. Allez, hein, plus. Tiens, tiens. En fait, je suis vraiment overlevel. Hein. On sent qu'on est vers la fin du jeu, là. On sent qu'ils ont pas cherché à faire... ouais, tu peux gagner beaucoup plus d'XP, beaucoup plus de badge. Attends, mais j'ai tout débloqué, là. J'ai tout. Dessus. Voilà, un peu à l'ennemi lors d'une défense là aussi. Ah ça j'aime bien. Ah, il faut que j'aille en haut là. Mais comment? C'est impossible. Et non c'est une blague. Heureusement qu'on a un grappin quoi. J'aurais jamais pu deviner qu'on allait avoir un grappin. Alors que... Allez, peut-être deux ennemis, peut-être. J'ai peps. J'ai un paplos. Pitié, pitié. Après tout ce qui s'était passé de bien dans le jeu, toutes les bonnes surprises qu'on a eues, il a décidé au dernier moment de nous décevoir. Je suis ensoleillé. Bon, c'est mieux qu'une brioche à la cannelle. Je vais le tuer. Je vais le tuer, je vais lui faire un truc. J'entends un petit... Tac, 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 j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je t'ai entendu. Voilà, c'est à ça qui servait en plus ce truc-là, ça aurait été con. Allô? Allô? D'accord. C'est pas parce que je dis que la musique rappelle Michael Jackson qu'il faut faire du moonwalk, hein. Encore? Mais y'en a combien qui pionce ici? Il est où ce bâtard? Il est en bas? Visiblement, il est plutôt en haut. Yeah.
On va le trouver. Je l'entends. Merde, il est là. Bah, il est... Where is the petit lézard de merde? Et où, bordel? Je l'entends, mais je le vois pas. Ça en ouf. Bizarre. Attends. Voilà. Encore un petit laser. Où est-ce que ça va, ça? Ça va loin? Qu'est-ce que... Bonjour. Bonjour. Je vais où? Une autre mémoire ou derrière? Allez, je vais là d'abord. Hein? Attends, non, non. Je vais d'abord derrière. Parce que là, c'est là où il y a le filet. C'est là où il y a le filet. Et là où il y a le filet, c'est là où il faut aller pour terminer, pour partir. Je vais d'abord aller là. Ruche cellulaire. Ah, mais ça va aller derrière, là où il y avait le passage secret, non? Pas du tout. Pas du tout. Un autre pan du niveau. Très bizarre. Bonjour. Ouais, ouais, tiens. Allez. Chose me dit que... Chose me dit que ce qu'on va découvrir derrière n'aura aucun sens. Hein? Qu'est-ce que... Je suis où, bordel de merde? Quoi? Hein? Quoi? Qu'est-ce que... Mais... On a juste fait un tour là. Pourquoi je suis juste retourné là? Ça n'a aucun sens. Hein? Hein? Aucun sens. Ah mais on est début de la map là, non? En tout cas, c'est bien, il y a plus d'ennemis. Non. On a rien à foutre. Je me disais, j'entends des battements bizarres. Mais c'est juste les battements du cœur de la baleine. Hein. Ok, ça, c'est un peu stylé, ça. Bon, c'est juste une nouvelle zone là où je suis. Qu'est-ce que... Oh, nouvel ennemi! Incroyable, qui l'a cru? Ils sont au nombre incroyable de 1! Ok, vas-y, on classe une pion. Une chance. D'accord, il y en a rien à foutre du marteau, déjà, ça fait très plaisir. C'est cool, en plus, t'as plein de types différents que marteau, toi. J'ai rien compris. Pourquoi il fait cette tête là, le mob? Ça va, mec? Ça va, bro? Voilà, on l'a calmé, on l'a calmé.
En tout cas, il a beaucoup de défense, hein. Merde, je voulais changer de perso. Comment on fait pour changer déjà, c'est Y? Allez. Le titre de voler incendiaire n'a aucun sens. L'attaque s'appelle voler incendiaire alors qu'elle balance des couteaux. J'ai pas la ref. Putain, ça fait trop mal. Non. Bah c'est chiant, mec. Prochaine fois que je le croise, croyez-moi que je lui fais un... je lui fais un bon gros coup de marteau. C'est... le sound design de ce biome me trigger. Il n'arrête pas d'aller en avant, en arrière, sur les côtés. Je sais pas si vous l'avez sur le stream ou sur la VOD, mais... le sound design de mon côté, il est horrible, j'ai l'impression d'être attaqué de tous les côtés. J'entends des bruits là, je deviens fou. Et puis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il se passe des trucs dans mon appartement pendant que je suis en stream et ça m'énerve. C'est très très désagréable. Merde, j'ai oublié de... on plus jamais ce monstre. Le son en 5D, ah vraiment. Le fait que j'entende le cœur en permanence, j'ai vraiment l'impression que j'ai un voisin qui tape contre un mur là, ça m'énerve. C'est très très grave. Vas-y, vite. Ah mais encore. Mais je suis... oh là... ah bah voilà. On y est. On y est, la fameuse zone. Ok, le fameux raccourci. Toc toc toc, ah vraiment. Non, pas encore. J'ai dit pas encore et j'ai foncé dessus, vraiment. Ah ouais. Ok. Qu'est-ce que tu penses du marteau des braises? Un peu dégoûté, hein. Ouais, ça t'apprendra. Merde. Comment ça m'énerve celui-là? Combien de XP il donne? 12? Ouais, allez. C'est ok. Mirandingo. Tout. Je suis à 1000 pognons, ça y est. Ça fait déjà un moment. Tiens. À quoi bon cette zone? Peut-être pour essayer d'aller là-bas. Ok, j'y vais. Et la ville a l'air que c'est jouable. C'est pas jouable. Du coup, à quoi sert cette plateforme? J'en ai aucune putain d'idée. Je comprends pas l'intérêt à cette plateforme. Bon, en plus, on pouvait y aller par là, donc top. Laisse-moi, je suis en train de creuser, putain. Ouais, tu pourrais utiliser un article. C'est vrai, les plats de Rita? Allez, hein. Dans ton gros cul, l'article.
Il te va cet article-là, les plats de Rita? On n'écoute pas les suggestions du viewer ici. Ok. Ce qui m'emmène, vite. Oula, ça va loin, ça va loin. Wow, wow, wow. Oh non, pas encore. Quoi, mais... Ils sont malades, hein. Ça veut dire qu'on peut mettre les deux? On peut en mettre deux? On peut faire en sorte que notre première attaque soit ultra puissante, quoi, en fait. Let's go, une pomme, putain, enfin! Depuis tout le temps, j'en voulais une! D'accord, enculé. J'ai perdu l'arc électrique rose, mais je pense avoir trouvé une issue. Si je sors d'ici en vie, j'arrête les trucs de héros, fini. Attendez, Turner, c'est pas un mec qu'on a déjà rencontré? C'est quoi? Attends, vas-y. Deux secondes. Je vais la manger, ta pomme de merde. Voilà, voilà, voilà. Je cours vite. Salut! Vous êtes dérangé. C'est tout? Ok. Donc c'était bien une zone bonus, ça, finalement, quand même, hein. Pam pam. Pam pam. Pam pam. Ok, j'ai rien à foutre du grappin, finalement, ça va. Oui, oui. Est-ce que vous avez déjà vu cette attaque? Ouais, ça y est. Ah oui, c'est vrai que j'avais découvert une attaque qui était plus forte, enfin... qui était tout aussi forte et qui niquait moins de PC contre ces merdes. Vous vous souvenez quand j'avais dit que je m'en souviendrais, que je m'en suis pas souvenu, finalement? Allez, au moins, on va pouvoir lui apprendre des trucs. Chant des sirènes. Le progresseur de la musique sur elle-même et sur type 1, waouh. 5 PV, c'est généreux, hein. C'est généreux, hein. Fallait pas en faire autant. Plus 1 de défense, ça c'est bien. Trois dégâts. C'est une seule personne à chaque fois, c'est nul. Oui, on lui met le choix des sirènes quand même, hein. Bon, pitié qu'on se barre d'ici, que j'entende plus ce cœur de merde. Oh, merci. C'est trop bizarre de nous faire spawn là, ça nous fait pas comprendre... Ça nous fait pas comprendre où on est, en fait. Ce point est trop mal branlé. Y'a quoi, là, hein? Ah. Qu'est-ce que... C'est quoi, cet endroit? Une espèce de cinéma? Waouh, c'est le palais des braises! C'est chez nous! Ça? Ce sont les soldats des braises? Mince alors! Qui fait ça? Comment ils ont eu ces photos? Je pense que c'est les souvenirs. Les souvenirs de la baleine. Wow, cette baleine est très vieille! Une super ancêtre, genre! Ça a l'air sombre et un peu hostile. Désolé, Alfie. Non, t'as raison. C'était le cas. Personne souriait jamais. Le soleil pointait jamais le bout de son nez. Et les mauvais jours, la fumée recouvrait totalement le ciel. La ville était si grande, on pouvait marcher des jours sans jamais la quitter. Fripon et moi, on regardait l'horizon et on se demandait ce qu'on y trouverait. En vérité, c'était juste l'Empire qui continuait. Pourquoi Fripon se bat-il pour le restaurer, alors? L'Empereur. Fripon voulait être comme son père, mais l'Empereur était terrifiant. Il était jamais satisfait, surtout parce que faisait Fripon. Je sais que Fripon a toujours voulu être un bon prince et rendre son père fier. Mais tu dois vivre ta vie pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Il peut vraiment restaurer l'Empire? Avec la pierre solaire tout entière? Je pense. Juste avant notre départ, l'Empereur lui a donné un sort. Fripon nous a jamais donné de détails, il a juste dit qu'il restaurerait l'Empire. Si t'as jamais su quel était le plan, pourquoi tu le suis? Tout a disparu en un instant. Tout notre univers. Puis Fripon a dit qu'il avait un plan pour tout arranger.
Pas juste un plan, une mission. J'ai pas posé de question, je voulais vraiment croire qu'il pouvait y arriver. Vous pensez que le sort qui va restaurer l'Empire est basé sur celui qui a créé le soldat mort-vivant que vous avez vu dans les ruines? Bah ouais, ça serait logique. L'Empereur avait seulement créé un régiment. J'ai trouvé ça... malsain. Ils étaient terrifiants. Ouais, c'était tordu, ils étaient coincés entre la vie et la mort. Donc même si Fripon lance le sort, ce qui reviendra sera pas vraiment notre empire, n'est-ce pas? Il faut qu'on l'arrête avant qu'il fasse quelque chose de terrible. Petit instant émotion! Top. Allez, Putain, ça se dit si je pouvais voir mes souvenirs comme ça en allant dans un home cinéma. Stylé! Ce gamer happy. Tranquille, on est bien sur Bon of Bread. À station optique maintenant. Oh non, je sens que je vais encore me paumer, hein. Je vais encore me paumer. Cet endroit est gigantesque. C'est un mec? J'ai l'impression qu'il va me faire du mal, le gars, là-bas. Bah, si tu veux me faire du mal, c'est moi qui commence. Prêt à vous bagarrer? Oui. Pitié, mettez deux ennemis, je vous en conjure. Ok, alors qu'est-ce que... Alors, le marteau, t'en as rien à foutre. Peut-être que les textes sacrés, ça va faire mal. Logiquement, ça devrait être fort, ça, quand même, texte sacré. Ça va. C'est pas incroyable. Ta clé tout simplement. Bah je vais faire ça, mec. Deux secondes. Hop là. Ah putain, mais ça veut dire que je... En fait, quand on défend une attaque comme ça, il se prend le... Il se prend la flexion dans la gueule aussi. C'est énorme. Drone à distance, on n'a pas essayé ça. Ah mais c'est une attaque de type... type marteau. What the fuck? Quoi? C'est super bizarre. C'est super bizarre comme attaque. Bon, l'important c'est qu'on gagne. Mais j'ai pas compris. Enfin, j'ai compris l'attaque. Mais c'est abusé. Le petit. Voilà. Bon, juste le petit. Donc, mais on est coincé maintenant, on peut plus revenir, c'est horrible. Et non. Ah, quoique, attends, approuvé. Ok, c'est bon. Hop là, rien à foutre. Ok, j'en ai quelque chose à foutre finalement. Putain, j'arrête pas de tomber. J'arrête pas de béton. Hop là. Ça fait mal, mec. Voilà. Le petit niveau sus. Même en violet me fait penser à Undyne, je sais pas pourquoi. Il lui manque juste une lance. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je vois pourquoi tu penses ça. En vrai, un peu, hein. Un petit peu. La vie ou du courage? Oh, de la life, hein. Ça part vite, en vrai. Vous vous souvenez quand au début, je disais qu'on perdait vraiment jamais de la vie? Et que c'était trop facile, hein. Au final, c'est trop facile. Au final, ça va. Deux secondes, je le coffre. Oh. Palette de Chloé, OMG Chloé a le droit à de nouvelles palettes. Est-ce que Alphys va en avoir une un jour? Putain, c'est énorme. Est-ce qu'on pourrait, on pourrait peut-être voir Chloé, elle est où? Bon, c'est juste une teinture. Bon, après, stylé. Je suis un peu jaloux. Mais bon, on s'en fout, on a Alphys. Allez, on court! Je mourris. Non, il va m'attaquer pendant une cinématique et ça va faire bugger le jeu. Oh, ça va. Quelque chose de mordre ne peut pas te faire du mal après tout. Oh, on sait jamais, hein. Alors là, on peut être surpris parfois. Et attention, bam! Voilà. On va se calmer celui-là.
Ah, c'est un petit peu dommage quand même qu'il y ait toujours qu'un seul ennemi dans ce royaume-là. D'habitude, c'est pas le cas, et là, ils se sont dit, bon, flemme. Paramétrer un quatrième combat avec deux ennemis nous prendrait 5 minutes, et on n'a pas le temps. Il faut sortir le jeu maintenant. J'espère juste qu'ils vont pas refaire cette même erreur dans le prochain donjon. Dans le donjon final, a priori. Parce que là, vraiment, qu'est-ce que c'est Pardon ? J'ai littéralement appuyé sur B. Je suis abattu dessus. C'est honteux. Allez. Nettoyage de la zone. Ah, bonjour. Et donc, notre coco séché. C'est fort, hein, notre coco séché quand même. 15 pèves, c'est bien, hein, j'aime bien. Je vais me débarrasser de notre coco séché. J'ai combien de points de vie, là? Oh bah, je peux en bouffer une. Si seulement on pouvait trier notre inventaire, ce serait tellement bien. Merci, mec. Alors. Ok, y'a rien ici. Il y a un truc en bas. C'est moi, il jetait ses attaques dans le vide, le gars. Oui, ma belle ami organique. Merci, composé glutineux à base de levure. Les associés drones gloutons avalent tout sur leur patage, mais moi, je suis différent. J'ai un palais perspicace, j'analyse les glucides de manière bien plus efficace. Ces analyses me procurent ce que vous appelez du plaisir. Cependant, j'ai déjà analysé tous les échantillons de nourriture dans cet écosystème. Amenez-moi des nouveaux échantillons à analyser, un de chaque écosystème du royaume royal. J'en serai très heureux. N'importe quel aliment ferait l'affaire, tant qu'il n'y a pas d'or, le métal interfère avec mes procédures opérationnelles. N'importe quel aliment, mais pas d'or, s'il vous plaît! Ok, mec. Ah, je suis malade! Aidez-moi! Quelle heure, à 16h26, putain, j'étais censé m'arrêter là! J'étais censé m'arrêter pour qu'on ait le temps de faire une troisième EOD! Et c'est ce qu'on va faire! Salut, tu, putain! Salut, tu! C'est énorme! Je passe! Ah! Salut, tu! Salut, mon